Alors, la routine, c'est pour moi quelque chose qui est multifactoriel, qui va s'installer dans un club. Ça peut être le fait qu'on prenne pas en compte le fait qu'il y a un noyau dur qui va vivre et se pérenniser dans le temps et vivre sur le noyau dur, de ne pas faire rentrer de nouvelles personnes. C'est un risque de routine pour le club. La pyramide des âges, il faut aussi étudier, c'est-à-dire pouvoir faire rentrer aussi bien des jeunes que des gens qui ont de l'expérience, donc faire attention pour éviter toute routine. C'est le fait aussi d'un président, d'une année sur l'autre, décide de faire un copier-coller de ce qui a été fait l'année d'avant. En disant bon ben ça marche comme ça, donc je vais faire la même chose, je vais pas innover pour pas prendre de risques. Puis c'est aussi, je pense, le fait de pas trouver un objectif, c'est-à-dire chaque année se dire ben pour moi je vais prendre cet objectif sur mon année en plus de ce que je dois faire. De manière concrète, si je prends Thierry Conti, un président 2016-2017, il avait pris comme objectif du club donc de le faire fonctionner comme il se doit, mais aussi de dire je vais moi me donner comme objectif, c'est resserrer les liens entre les membres, faire beaucoup plus de convivialité. Alors, il ne va pas en profiter directement, mais ce sera les prochains présidents qui vont en profiter. Donc, il s'est donné cet objectif. Pour ma part, sur l'année 2017-2018, je me suis donné comme objectif de resserrer les liens avec le Rotaract. Je pense que c'est important de se donner un objectif pour casser la routine, pas faire la même chose d'une année sur l'autre. Alors, c'est sûr que les actions, ce que je vais appeler les actions phares, les actions dans lesquelles le club va se reconnaître, parce que c'est une action qui a été créée, qui est prenante, où les gens se sont impliqués, ça a un côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que les gens, ça va fédérer le club, ça va fédérer les membres pour participer à l'action. Même les nouveaux membres qui vont arriver, quand ils voient une action phare, ils peuvent dire, ben là, le Rotary, ce que fait, c'est vraiment très très bien, c'est impressionnant. Donc, c'est ce côté positif. Par contre, une action phare, quand elle se crée, il y a une dynamique. Il y a, au départ, ça c'est évident. Si on la pérennise dans le temps, c'est là où la routine peut s'installer, parce qu'à un moment donné, ça ronronne. Les gens vont voir que ça marche, ils vont avoir moins d'enthousiasme, il y a moins de créativité. Donc on va être dans une... c'est là où la routine va se retrouver dans l'action phare. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut dire, bon, l'action marche bien, mais on va sortir de sa zone de confort, se mettre en danger en disant, ben, l'action, ça fait peut-être 10 ans qu'on l'a fait, on l'arrête, on repart sur une feuille blanche, ça va permettre aux gens de développer la créativité, de redémarrer sur quelque chose de nouveau et de redynamiser un petit peu le club. Donc c'est bien à un moment donné se poser la question de dire, on sort de notre zone de confort. Et une action qu'on a fait pendant 10 ans, est-ce qu'on peut la transmettre à notre club? Comment ça marche? C'est possible, pas possible? Comment on fait? Alors là, je pense qu'il n'y a pas une réponse qui est toute faite, parce que une action, ça dépend d'un contexte, ça dépend des gens qui ont été impliqués dedans. Et souvent, une action, c'est pas uniquement les membres du Rotary. Il y a aussi des acteurs extérieurs qui vont participer à l'action. Alors une action, parfois, elle tient entre un lien entre quelques membres ou un membre et un acteur extérieur au Rotary. Le fait de passer l'action à un autre Rotary, le lien va être coupé, c'est pas évident que l'action puisse être continuée, d'autres actions vont être beaucoup plus faciles à transmettre, donc il n'y a pas une réponse qui est évidente. Ben, l'innovation, on va le retrouver. Il faut voir, je pense que le club, il y a des actions qui sont nationales, de district, qui sont un peu pour le club des balises sur l'année. Il y a le début du chemin, la fin du chemin, puis on a ces balises qui nous indiquent par où on va passer. On peut choisir de dire, eh ben, on prend la ligne la plus droite. C'est là où il y a un risque de routine. On peut prendre des chemins un petit peu en s'écartant un petit peu de ces balises, en faisant de la créativité. C'est là où on amène de la dynamique. Et puis se dire aussi, ben, on recrée quelque chose comme une nouvelle action à partir de zéro, où là on peut amener de l'innovation, de la créativité. Tu l'as abordé, mais on le précise, comment on fait pour rapprocher les Rotary des Rotaractes? Alors,
C'est vrai qu'on a tendance souvent, entre un Rotary et un Rotaract, de ne pas avoir des liens assez forts entre les deux, de ne pas assez les impliquer, ou alors d'avoir une mauvaise image, ou, du moins les Rotaracts, les Rotaractiens se sentir un peu comme une main d'œuvre auprès du Rotary, ou le Rotary ne pas assez donner de responsabilité. Donc déjà, il faut revoir au niveau des actions comment plus les impliquer, les responsabiliser, puis faire des petites choses toutes simples. Nous, par exemple, cette année, on commence très simplement. On fait une passation, et la passation, elle est commune entre notre Rotary et le Rotaract Filleul. C'est déjà un premier pas. Lors de nos réunions, on va les inviter fréquemment. Le budget d'un apéritif peut être une barrière pour un Rotaractien, bon, on va le prendre en charge. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont resserrer les liens, qui vont faciliter après le travail Rotary-Rotaract.